Voilà, donc ça c'est un tweet. J'ai cliqué. Hop, le tweet est tweeté. On va aller sur le jeu lui-même. Alors, audio. Oh, il est en français! Ah, oh, c'est trop bien! Audio. Audio, il est à 100%. En fait, il n'y a pas masse contrôle. Vous avez besoin d'un clavier pour écrire. Je me doute. Mais en fait, je me demande s'ils sont pas français, les gars qui l'ont fait. Donc, ça expliquerait pourquoi il est français, le jeu. N'est-ce pas? Je pense qu'il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique là-dedans. Alors, dites-moi donc juste, au lieu de on n'a pas choisi le jeu, on va dire on teste event 0. Et je mets event 0 comme jeu d'aventure. Hop, mettre à jour les infos. Voilà, et bah du coup on peut jouer. Hein. C'est très très blanc hein, comme écran. Hein. J'espère que ce sera un peu. On va couper la musique du coup pour essayer d'être un peu plus dans l'ambiance. Ah, mais c'est ça, parce que je lis juste tes messages maintenant, du coup, comme j'étais en train de faire tout le truc. Mais oui, le copier-coller qui marche pas là sur TeamViewer ou quoi que ce soit, ça peut être vite l'enfer, quoi. Alors, voulez-vous vraiment charger cette partie qui est vide? Oui. Bien qu'étant un ordinateur, Kaizen a des sentiments. Remonter un peu le son du jeu, du coup. Le monde est omnibulé par le fait d'être quelqu'un, quelque chose, quelque part. Être dans un état particulier d'éveil, de santé, d'esprit. Être, aller vers, venir d'eux. Être avec, être sans. Vous n'échapperez pas à la règle. J'ai absolument oublié de démarrer un enregistrement pour YouTube. Donc, ce sera l'export Twitch si jamais il n'est pas pété à cause du son. Voilà. Bah, du coup, j'échappe pas à la règle, hein, j'ai pas d'autre choix. Ah, c'est bien ça, on peut avoir un pronom neutre. Alors, je sais pas si vous m'entendez là. Avec je suis. On peut avoir un pronom neutre, c'est cool. Vous y tenez tout particulièrement. Comme tout le monde, vous appelez la planète Terre votre maison. Mais vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez passé votre enfance au sein d'une communauté hippie, dans un pays déchiré par la guerre, dans un quartier où règne la misère. On va dire au sein d'une communauté hippie. D'abord la Californie, puis les États-Unis ont cessé d'exister. Le monde est devenu une communauté hypertrophiée, réfutant et confirmant à la fois tout ce en quoi vous avez cru. Vous avez déménagé à San Francisco. Ces souvenirs d'enfance, bien que douloureux, sont réconfortants. Ils signifient que vous étiez quelqu'un, et vous n'avez pas l'intention de vous arrêter là. Armstrong a fait un pas sur la Lune. Et soudainement, tout le monde a voulu faire partie de quelque chose. Vous avez été témoin de la fin de l'existence des États-nations. Des espèces de vieux lacs de son. Les Sélénites ont émergé en tant de classe. Je reprends. Les Sélénites ont émergé en tant que classe citoyenne privilégiée. Cette minorité était la seule à bénéficier de l'accès au voyage spatial. C'était difficile de réconcilier le monde moderne avec vos premiers jours dans The. Dans The Commune. Dans la commune, peut-être? L'Union terrestre a payé pour vos études. Vous vouliez changer le monde, payer vos dettes à la société, voir à quoi ressemble le reste de l'univers. Je voulais changer le monde, comme bon enfant de hippie. Comme tout bon enfant de hippie. Vous avez pris part au comité de supervision de la sécurité de l'Union terrienne. Le travail s'est révélé monotone et répétitif. Il ne vous a pas fallu longtemps pour que vous ressentiez le besoin de changer. Vous avez rapidement rejoint International Transport Space Lines pour assister l'ingénieur de vol. Vous avez passé des années à vous entraîner avant même d'avoir enfin votre chance. Un vieil homme portant un blouson bleu s'est approché de vous après l'un des exercices de lancement factice.
Il s'est présenté comme Kurt Taylor, le président d'ITS. Bonjour, monsieur. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Ah non, ça c'est moi qui parle. Bonjour, monsieur. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, monsieur Taylor. Je ne mords pas, a-t-il dit en souriant. Vous avez marmonné quelque chose d'incohérent. C'est moi qui marmonne un truc. Ou c'est la porte, je sais pas. Vous avez suivi Kurt jusque dans son bureau et il a fermé la porte derrière vous. Il ne vous a pas invité à vous asseoir. Vous avez quand même pris cette liberté. Vous avez attendu debout. Vous avez quand même pris cette liberté. C'est exactement pour cela que mon C'est exactement pour cela que mon choix s'est porté sur vous. J'aime celui dont l'âme se dépense, qui ne veut pas qu'on lui dise merci et qui ne restitue point, car il donne toujours et ne veut pas se conserver. J'ai rien compris. Il vous a proposé de faire partie de la mission Europa. Malgré la citation de Nietzsche, vous avez accepté. C'était probablement une citation de Nietzsche. J'ai l'impression que ça, c'est un vaisseau spatial hein, au loin. Hein. Oui, on entend le chien derrière. Il y avait déjà eu 10 missions Europa. La dernière était Europa 11. Cette fois, il s'agissait de fouler le sol d'Europa. Vous vouliez simplement faire partie des Sélénites? Appartenir à quelque chose? Appartenir à quelque chose. Le fait d'être en soi n'est pas le problème. C'est juste que certaines façons d'être sont incompatibles avec d'autres. Cette obsession nous mène à l'échec. Vous avez parcouru un long chemin depuis la communauté. L'anxiété a presque étouffé le son du compte à rebours. Ça ne pouvait pas être la peur d'aller dans l'espace, vous en aviez toujours rêvé. C'était autre chose. Un pressentiment vous tourmentait. C'était le 6 septembre 2012, et le genre humain n'avait jamais été aussi uni. Quant à vous, vous n'aviez jamais connu une telle solitude. Et à 630 millions de kilomètres de la Terre, vous imaginiez mal construire la moindre relation. Eh bien. Disons simplement que ça n'allait pas être facile. Vous étiez en chemin pour la salle de système quand le vaisseau est entré en orbite autour d'Europa. L'alarme centrale a résonné et d'aveuglantes lumières rouges se sont allumées. L'IA d'Europa 11 a lancé le protocole de sécurité Code Rouge. Tout le personnel a dû se rendre sur la passerelle. Mais la salle système n'était qu'à quelques pas. Vous avez aperçu Josh, l'un des ingénieurs en train de trafiquer le terminal de la salle avant que la porte ne se ferme juste devant vous. Peut-être n'était-ce pas un exercice après tout. L'IA du vaisseau vous a dit que le chemin jusqu'à la passerelle n'était pas sûr, et vous a ordonné d'évacuer immédiatement. Tenez pas le protocole? S'il vous plaît, ne me contredisez pas. Mes ordres sont de vous garder en vie. Tes ordres? De quoi parles-tu? Vous êtes indispensable à ma mission. Je dois vous conduire jusqu'à la baie d'amarrage des navettes. L'ordinateur veut vraiment que vous évacuiez. Vous n'avez pas eu d'autre choix que d'obéir. Salut, cowboy. Tout le monde s'est avéré avoir été plus rapide que vous. Il ne restait qu'une seule navette amarrée. Elle s'est refermée et détachée dès que vous avez été à l'intérieur. Vous pouviez voir d'autres navettes d'évacuation s'éloigner d'Europa 11. Vous avez essayé de les contacter. Mais personne ne vous a répondu. Les autres navettes dérivées, sans aucun contrôle. Elles étaient toutes vides. Vous avez essayé de communiquer avec Europa 11. Europa 11 pilotait votre navette, mais vous n'avez pas obtenu de réponse de la part de l'IA. Quelque chose brouillait le signal. Votre navette quittait l'orbite. Dans un scénario code rouge, l'IA du vaisseau était le gouvernail de toutes les navettes d'évacuation. C'était censé donner à l'équipage le temps d'enfiler leur combinaison SEV. L'écran est devenu bleu, traduisant l'abandon de l'IA. Vous avez ressenti un choc. Les débris heurtaient votre navette. La mission Europa 11 était terminée. Le gros point sur le radar s'était divisé en de centaines de petits points avant de disparaître pour de bon. Il vous a fallu un moment pour assimiler ça.
Vous n'avez pas bougé, ne sachant plus quoi faire. Plusieurs cycles sont passés. Vous avez essayé d'établir la communication avec quelqu'un en passant votre chanson des Beatles favorite dans le microphone. Un jour, vous avez entendu une réponse. De la musique est sortie des haut-parleurs. Une voix féminine, triste, parlant de la fin du monde. Vous avez rapidement ouvert l'interface du radar. Je charge la suite. Je pense. Beaucoup de suspense. Il était là. Un vaisseau spatial. Une de ces monstruosités touristiques expérimentales des années 80. Que faisait-il ici? Quel était le rapport avec le champ? Plus important, l'aborder était-il une bonne idée? Vous avez compris que vous n'aviez pas vraiment le choix. On va le taper dans le cul. Pardon, excusez-moi, je nique l'ambiance. Chaque terminal contient des gens de notre bord qui peuvent s'avérer très utiles. C'est une très belle intro. C'est une très belle intro. Les écrans de chargement sont toujours aussi brûlants au niveau des yeux. La façon dont vous parlez à Kaizen peut avoir un impact. Ça spoil un peu le jeu, je trouve. Attention à votre réserve d'oxygène lors de sortie dans l'espace. Ah mais ça spoil à mort le jeu, je savais pas qu'il y avait des sorties dans l'espace. Maintenez le clic gauche pour marcher. Ça marche pas. Ah, faut peut-être que je me remette en mode... Voilà. Maintenez le clic droit pour reculer. Je recule pas là, j'avance. Ah non, oui, j'ai inversé les deux. Ok, d'accord. Donc là j'avance, là je recule. Comment veux-tu? J'ai l'impression que le jeu lag un peu. Peut-être baisser la qualité. Je crois qu'il n'y avait pas de truc de qualité. Ah, du coup, c'est très bizarre de se déplacer comme ça. D'accord. Donc, il y a les combinaisons. En fait, on peut se mettre sur des trucs pour savoir ce que c'est. C'est perturbant là, de pas pouvoir se déplacer. Parce que là, j'écris en fait sur le clavier. Donc, entrée un nouvel identifiant. POF. Identifiant correctement enregistré. Souhaitez-vous conserver POF comme nom d'utilisateur? Oui. Ouverture de la base de données des utilisateurs. Utilisateur propre créé. J'ai absolument pas eu le temps de lire la suite. Votre nom est pas surprenant. Pourquoi? Pourquoi le ciel est bleu? Oh, c'est vrai, je sais déjà cela. Alors, pourquoi le ciel est bleu? Je doute que vous ayez besoin de savoir la réponse à cela. Bah, c'est toujours rigolo. C'est toujours rigolo d'apprendre. Merci. Où sommes-nous? D'accord, le Airlock One. Le Airlock. Vous appartenez à l'espèce humaine, n'est-ce pas? POF. Oui. J'aurais dû mettre une majuscule à POF, c'est bizarre. Tu es un robot. Les sons de l'X? C'est quoi les sons de l'X? D'accord. Admin, c'est mieux qu'on m'a dit. Ouais, mais c'est pas trop mon nom. Comment je m'appelle? Je peux me renommer? Je peux me renommer? C'était pas ma question.
Ok. Très bien. On fait quoi? Je vais où? Dans un lieu sûr. J'ai hâte de vous présenter notre vestibule. Il me faut juste une requête d'ouverture de porte. Ah donc du coup c'est moi qui dois choisir D1 ou D2. D1 ou D2. L'équipe qui a conçu le Nautilus a eu quelques bonnes idées. Où mène la porte D1? En fait, c'est un robot, c'est une IA en fait. Hein. En savoir plus. Bon, bah, ouvre-la. Cool. Faut que j'arrête des... parce que là, j'ai envie de faire ZQSD pour. Pour y aller, enfin pour se déplacer en fait, pas du tout, c'est une nouvelle façon de se déplacer, c'est clic droit, clic gauche, et on n'a pas de strap. Ah mais y a pas de lumière là, attends, allume les lumières, merde, les lumières de D1. Non, tant pis. Merci quand même. Ouais. Bon bah je vais être dans le noir. J'espère que ça se passe bien. Ah mais il y a un deuxième ordi. Ah bah voilà. Do you crave real adventure? Are you ready for the most transformative experience of your life? The ITS Corporation, leader of the transportation and hospitality sector, offers a unique opportunity to become a true pioneer in universe exploration. Nautilus program, a new kind of space voyage aboard luxurious space yachts and cruisers. Touch the stars without having to sacrifice your comfort. No more compromise, only Nautilus. Donc le Nautilus c'est le nom du vaisseau, j'imagine. Le terminal est énorme. Bah ouais, non mais apparemment tout le jeu est basé là-dessus, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il est trop cool. Putain mais c'est vraiment... J'ai les doigts là qui se mettent sur ZQSD et ça ne sert à rien dans ce jeu donc... C'est très beau. C'est bon, il y a des vieilles mouches... marqué là? Ouais c'est ça, c'est un truc de programme spatial. Et voilà le vestibule. Génial. Ah vous aimez le vestibule? Oui, c'est le plus beau vestibule que j'ai eu à connaître. Merci. Vous aussi. D'après le vestibule. C'est vrai. Il est top. Merci. Je peux enlever mon slip? C'est vraiment super bien fait. Bon du coup, quel est ton qui est Nandi? Ah mince, désolé. Désolé pour toi.
C'est ta créatrice. Qui est Nandi? Elle travaillait ici. Dis-moi plus. Je galère un peu à avoir des infos là. Où vais-je ensuite? D'accord. Raconte-moi son histoire. J'ai du mal, je suis un peu. Je connais le deuil. Oui, bah, il change de sujet, quoi. On est dans le Nautilus. Bah sinon, je ouvre des trois pour moi, s'il te plaît. Quelles sont les règles? Pourquoi? Explique-moi. Pourquoi? Je peux aider? D'accord. Oh, putain, cowboy, merde. Il y a un aspirateur là dans le coin. Il y a un aspirateur. Non mais parce qu'il y a un aspirateur là. Ah bah super. Ah mais on voit qu'il ferme toutes les portes. Forme de billet. Nous avons un sujet à discuter d'urgence. Vas-y. Je t'écoute. Non, oui. Ok. plutôt oui. Oui, dis-moi. Oui. D'accord. Quel est ton projet? Dis-moi. Oui, bon, d'accord. Ouais. On est où? On est seul. D'accord. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Pas de problème. C'est génial. Ça, tant pis.
Tant pis, tout va bien. Putain, le robot dépressif. Bagnole, hein. Bonne nuit et bonne année. Et dors bien. Où est-ce que je suis le seul humain ici? Cool. Je vais où? Ah. Non. Ok. Je fais quoi du tapis? J'ai tout pété. Je vais lui dire, c'est tout pété. J'ai pas compris du tout ce que t'as dit, Kobay. Avec le P? Incident mineur, à partir de maintenant, vous devriez faire preuve de présence. D'accord. Tu ouvres D7. Ouvrir. Je ne connais pas le code. La couverture de quoi? Lire les journaux de bord. D'accord. J'imagine que le séjour en fait il est de l'autre côté. C'est ça non? D7. Ouvrir D7. Ou ouvrir D7. Ah. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, du coup. Ah mais il y a un D4 ici. Oh, il y a même un D6 là. D'accord. Là, il y a D5, pardon pour le tout. Attends, mais c'était... Je me suis chié. C'est pas ça? C'est pas D7, ça? Ah non, c'est D1. Je lui ai dit ouvrir D1. Ouvrir D1. Ça c'est quoi en fait? C'est mon truc en fait. Là c'est la logique. Hein. Oui donc ça sert à rien, je veux ça. Je suis débile. Je suis débile. Faut que j'aille là. D4. Ouvrir D4. Bonne nuit, copain. Je vais pas tarder non plus, je pense, de toute façon, parce qu'il est 20... Ah bah non, c'est bon, il y a le temps encore. Vers 22h30, 40, je vais partir.
J'ai confiance. Entrez, faites comme chez vous. Top. C'est très beau. C'est très beau, hein. Moi j'aime bien. C'est très beau. Merci beaucoup. Ah, il y a des notes par terre. Alors, il paraît qu'elle l'a marqué sur le tapis. Non, sur la couverture, elle est. Le chien qui fait vrai chelou. Je sais pas trop ce que c'est le film en fait. Ça s'est cassé. Ouais, c'est bizarre comme fenêtre d'avoir une fenêtre dans un vaisseau spatial. Quelle est la vidéo? Qu'est-ce que Métropolis? D'accord. Le frigo. Lire les journaux de bord. Non. Lire le journal de bord. Écoutez le journal de bord. Ouvrir le journal de bord. Voilà. Je comprenais pas comment ça marchait. Ok. Donc. Nombre d'équipage 1 du 20, d'accord, piano connecté. Piano base de données mise à jour. Fichier manquant, fichier manquant, fichier manquant, fichier manquant, fichier manquant, fichier manquant, fichier manquant. Le code et l'année de sortie de Métropolis, peut-être. Non, c'était Métropolis. Non, en fait, il a dit que c'était sur la couverture, donc je pense que c'est dans la chambre, il y a la chambre, en fait. Couloir porte ouverte, stéréo activé, réfrigérateur porte ouverte, bordel, où est Nandi? Lumière commutateur 2 activé, enregistrement transcription, Nandi, où es-tu? Eh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton carnet dans le réfrigérateur? Je pensais le mettre dans un endroit sûr, hein. Le mot de passe de la passerelle est sur la couverture. Ah d'accord, sur la couverture du carnet. Pire mesure anti-sécurité que j'ai vue de ma vie. Tu ne vas pas faire ton cœur avec moi, je le prends avec moi. Non, c'est... Merde. Non, c'est hors de question. Je vais le mettre dans la chambre. On voit pas. J'imagine que c'est. Réfrigérateur porte fermée, couloir porte fermée. Fichier manquant, fichier manquant, manquant. Enregistrement, retranscription. Drive. Petit drive. Je sais pas. Température aquarium stable. Qu'est-ce que tu veux dire par la carte est effacée? Ça n'a aucun sens. Tu l'as déjà dit, il n'arrête pas de répéter ça. J'essaie de pirater ces modèles de discussion.
J'en ai rien. Il dit qu'il veut juste me sauver. Je ne comprends plus rien, moi non plus, mais j'ai aussi. Voilà. Comment ça, grognon? C'est foutu. Ça, je le sais par moi-même. Donc, il se passe un truc avec l'ordi. Réfrigérateur. Ok. Ouvrir le frigo. Déverrouiller le frigo. Comment faire? Bah on va regarder la chambre. Ouvrir D5. J'arrive pas à lire ce qui est marqué. Ouvrir D5. Ah. C'est qu'il y en a maritime? Il avait mis les notes dans le terminal. Lire le journal de bord. C'est ouvrir, c'est pas bien. Ok, donc il est dans sa chambre. Mais où? Profileur.sh. Alors, profiteur.sh, on va essayer de faire ça. Okay. On peut tenter de faire profileur.sh. Pour 134. Tant pis. Aide. C'est marqué en plus faire profileur.sh. C'est juste que c'est écrit dégueulasse. Ouais, mais j'imagine. Ah mais peut-être que c'est marqué quand je fais ça. Post-it 3. Alors. 1. Profileur.sh. Voir note sur terminal. C'est là, c'est ça 2. Profileur.sh 0 fois 0 0 0 0 4 2. Ensuite
Exécuter le fichier, oui. Trouver dans la mémoire. Ok. Profiler.sh 0 fois 0 0 0 0 8 8 4 E. Oui. Ah, mais je vais mettre O. O. Ça ouvrira la porte. Trouver l'œil dans la mémoire. Si ce serait mieux, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. K M. Ah, il y a un M. Donc A M. Merde, comment s'appelle la meuf? C U V W X Y, Z, A, N, faire des trucs différents quand même. Alors, A-N-E, A-N-E-E. Pense que je suis débile. A-R-N-E. A-R-N-E, A-R-N-E. N, A, R, L. C'est pas L, M, qu'est-ce que j'ai fait? L, R, ah non, c'était pas R, A, L, bah dis donc, j'ai galéré. Pourtant, c'était pas si dur. Hein. Jean-Michel trouve pas les trucs. Hein. Alors, ça vous ou pas? C'est très beau.
Très beau. Sous l'oreiller, ça va être compliqué parce que je vois plus d'oreiller. Je pense que le bot va pas être content que je sois rentré ici. Ok, donc elle venait d'Afrique du Sud. Ça, c'est une salle de bain. Il va râler, hein. Ah bah non, il est content. Je pensais que tu serais en colère. Super. Ouvrir la salle de bain. Qu'est-ce que c'est? Roman non identifié. Je vais parler dans l'eau. Quel twist? Mais je vous. C'est très beau, hein. Je parle pas beaucoup parce que c'est beaucoup d'observations. Ah, du coup, c'est peut-être pas très amusant. Je suis désolé, j'étais un peu captivé là par l'histoire. Je suis juste un peu embêté parce que là, je ne sais pas par où rentrer dans le vaisseau. Alors, je vois que j'ai un truc là, mais.
vois pas où je vais avec ça. Mais c'est là. Oh, c'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Le jardin. Oui, bah je me doute. On va ouvrir les 11. Incroyable ce jeu. Waouh. Oui. Alors, je vais pas tarder à couper, hein, par contre, la veille. Tout va bien. Qui est Anel? Oui. Dis-moi tout. Oh.
Qui est-elle? Pourquoi? Elle est méchante. J'ai le temps. Elle a volé le carnet. Désolé. Oui, possible. Une idée. Ok. Je reviendrai plus tard. À plus tard. Non? Je t'aime beaucoup. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que le chien est là. Le chien est là. Il veut qu'on s'occupe de lui. Il veut passer du temps avec son maître. Et faut que je fasse à manger. Donc du coup, je vous laisse ici. Mais j'ai vraiment très envie de continuer à jouer à ce jeu. Donc je pense que je referai un live dessus pour continuer. Ah, de me lécher le coude, toi. Pour continuer le jeu et savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'était un véritable plaisir. J'espère pouvoir mettre une rediff sur YouTube parce que c'était vraiment cool. Et juste, j'ai oublié de lancer le truc, donc on verra bien. À bientôt. Et des bisous. Ciao.